Mélanie, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec Elorie. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, Elorie c'est ma meilleure amie en fait. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, elle était enfant mais elle s'est pas présentée ni rien. Mais aujourd'hui elle vient dans ma vidéo sur ma chaîne et tout pour juger mon shopping. Comment vous dire que... voilà. Donc cette vidéo est en collaboration avec Zafool. Ils m'ont proposé de m'envoyer 250€ d'habits. Du coup moi évidemment j'ai dit oui, comme ça je peux tester, je peux vous dire ce que j'en pense. J'ai un code promo pour vous, je vous le mets juste ici. Je m'en souviens absolument plus, mais je vous le mets là, je vous dis combien il vous fait avoir de réduction et tout. En tout cas moi j'ai testé pour vous et c'est pas parce que c'est une collaboration que mon avis genre changé ou quoi, genre non je m'en fous. Si c'est nul je vais vous le dire, si c'est taqué bien je vais vous le dire aussi. Et du coup Elorie aussi va vous le dire vu qu'elle va noter mes tenues en fait. J'ai fait cette commande il y a une semaine à peu près et je vais faire la vidéo en deux parties. Du coup là vous êtes sur la partie 1 et vous likez si vous voulez la partie 2. Ok, donc déjà il y a tous les articles ici genre de ma commande. Du coup je les ai pas tous reçus comme je vous ai dit tout à l'heure, mais là il y a une bonne partie. Du coup Elorie va choisir et moi j'essaye, je vous montre et après elle notera. Ok, donc du coup elle a choisi un maillot de bain. Alors faut savoir vraiment j'ai testé de tout. J'ai testé des jogging, des maillots, des t-shirts, une robe. Bref, une robe vraiment. Et du coup là bon elle a pris un maillot. Je vais vous montrer comment il est. J'ai déjà testé avant de les ouvrir, comme ça je peux vous dire directement ce que j'en pense. Alors il est comme ça, taille and die. Il y a des coques à ce niveau. Hop. Là c'est le haut, il est hyper beau. Et le bas est comme ça. Je sais plus du tout combien il a coûté, mais je pense que je vais trouver le prix et je vous le mettrai par là. Du coup je l'essaye et j'attends ton avis. C'est bon. En vrai il est vraiment beau ce maillot, mais juste moi ce que je dirais c'est qu'il est trop ouais il est trop épais ici. Là mais c'est horrible pour moi, vraiment c'est chaud. Mais ouais. Mais sinon, je mets un petit 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup la couleur et ça change de ses maillots. Ça veut dire quoi ça? De ses maillots de d'habitude. Non, mais oui, vraiment, je le trouve hyper beau. Moi aussi, je vais donner mon avis comme ça. Je trouve taqué beau, mais alors vraiment, je trouve que le haut est déjà il est hyper épais, hyper bonne qualité. Le bas, j'ai rien à dire. Genre, vraiment, c'est chaud. J'aime trop les couleurs. Bon, là, on va pas se cacher que c'est un peu plus l'été, mais vas-y, je l'aurai pour l'année prochaine. Et même, genre, là, vu que nous, on est dans le sud-ouest, on peut continuer à aller se baigner. Genre, là, il va faire. Ouais, même jusqu'en septembre, fin septembre, on peut continuer à aller se baigner. Donc, au calme. Et du coup, voilà, il est comme ça. Tac, je suis hyper contente. Et moi, je vais noter et je mets un petit 8,5 sur 10. Et quand j'oublierai mon maillot, je pourrai lui piquer. J'ai choisi un autre truc et je vais aussi tester. Au pire, je regarde pas. Oh, putain. Ok, donc ça c'est une robe. Alors sur le site elle était magnifique. Genre, vraiment je la trouvais trop belle. Et je pensais vraiment qu'elle allait être hyper belle. Je l'ai essayé, je vais vous laisser. De toute façon même vous juger par vous même. C'est une robe bleue comme ça. Peut-être que ça se verra pas à la caméra, mais la matière est vraiment hyper cheap. Horrible, genre vraiment horrible. Genre horrible, je déteste. Et en plus genre elle est pas du tout doublée, rien du tout. Bon, je l'ai pris en taille S. Le maillot aussi je l'avais pris en taille S, j'ai oublié de vous dire. Et du coup je vais aller essayer ça. Hein. Elle est vraiment... Bah alors déjà elle est rien à coucougnette quoi. Ah oui non mais là mais vous êtes pas... Elle lève les bras, on voit tout. Ah oui, je peux pas lever les bras là. Un t-shirt ça serait mieux. Ouais. Puis ça fait un peu mémé dans la prairie. Bon je vous montre comme ça mais oh putain vraiment hideux genre. Ouais non mais même comme ça ça fait très... Non j'aime pas. Oh, je déteste cette robe. L'effort je mets 3 sur 10. Vraiment pour l'effort. Ah ouais non mais moi je crois que je mets même pas un 2. Hein. Mais un t-shirt ça... Oh c'est un t-shirt oui. Ouais je pense que je le couperai. C'est pas grave on va rester sur un échec. Vas-y pioche autre chose. Ok, alors il faut savoir que sur le site du coup vu que j'en avais pour 250€ et que vraiment genre j'avais énormément de budget et puis j'allais pas non plus commander 250€ de fringues que pour moi. Donc du coup vu que c'est l'anniversaire d'une copine à moi dans pas longtemps, j'ai décidé de lui prendre des cadeaux aussi.
Et du coup je lui ai pris une ceinture comme ça. C'est pas du tout mon style mais c'est bien parce que comme ça au moins ça vous permet de voir d'autres styles qu'il y a aussi sur Zafool. Donc c'est une ceinture comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, genre elle est rose. Ouais, les flammes sont en rose. Il y a deux petits anneaux comme ça, tac. Voilà. Et bah du coup moi je la trouve mignonne. Après c'est pas du tout mon style. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses toi. Bah moi je le porte pas mais c'est pour... Ouais, non, ça ira bien avec son style. En ouais. plus, vraiment, c'est touche la qualité et tout. Franchement, ouais. je te dis. Hein. C'est les ceintures qui forment un peu comme ouais. Off-White. Là. Oui, c'est ça. C'est un petit peu une imitation Off-White en vrai. Ouais. Bref, du coup, moi, vraiment, je mets 6 sur 10. Enfin, 7 sur 10. Pour la qualité. Pour la qualité, est vraiment bien. Mais genre, c'est juste que c'est pas mon délire. J'ai pris deux cadeaux. Donc, je vous les montrer maintenant. Comme ça sera fait. Du coup, l'autre truc que je lui ai pris, c'était un pull. Parce qu'elle voulait absolument un pull noir. Et du coup je lui ai pris et je l'ai pas essayé mais vraiment je l'ai touché et tout et il a l'air de hyper bonne qualité, genre vraiment franchement. Pour du Zafool. Oui voilà c'est ça, genre il est comme ça, je l'ai pris en taille M. Oui je l'ai pris en taille M et à l'intérieur il est mouté, trop stylé, genre en mode comme ça. Bon je sais pas si vous allez voir mais bon voilà, bref voilà. Là il est un peu encore rêche mais je pense qu'une fois passé à la machine à laver il sera un peu mieux. Et franchement bah, ça a l'air d'être un M, je l'ai pris chez les garçons. Ouais grave. Une sur 10. Mais oui, 8 sur 10. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Prochain article. Ok. Alors, ça c'est la commande que j'ai reçue aujourd'hui. Parce que c'est venu en 3 colis différents. Et là, bah, dans ce deuxième colis, j'avais un petit jog. Alors, je l'ai commandé en 2 fois. Parce que du coup, je lui ai pris aussi le même. Donc, elle l'a déjà vu. Et donc, c'est un petit jogging tie and dye comme ça. Genre, il est trop trop beau. Je vais l'essayer aussi. Mais je vais l'essayer, je pense, avec un crop top ou un haut. Donc, ben, genre, si tu veux prendre un haut ou un truc comme ça, genre, comme ça, je peux essayer les deux en même temps. C'est un haut. Je sais pas, ouais, je pense. Oui, c'est un haut. Ok. Donc, j'ai aussi pris un haut comme ça. Envoyé en 2 fois. Dans la même poche. Ouais, dans la même poche. Donc, du coup, je lui ai donné en fait. On va être vraiment hyper synchro. Donc en fait c'est un t-shirt qui s'attache, tu sais, genre comme ça, tac, et tac, avec des nœuds, trop beau, c'est la nouvelle mode. Bref, j'ai essayé les deux ensemble et je reviens. 1, 2, 3, soleil. Ok, donc c'est comme ça. Bon, ça va pas du tout ensemble là, les gars. Enfin, moi perso je pense non, je ne mettrai pas du tout avec un haut blanc. Le jog, ben 9 sur 10 parce que la qualité aurait été mieux, plus épaisse. Ouais, c'est dommage, elle est un peu fine, genre la qualité. Elle est resserrée, enfin le jog est resserré en bas, genre comme ça. Tac, du coup tac est bien. Bon, faut pas avoir des longues jambes hein, parce que sinon ça fait un pantalon de pêche. Ouais, c'est ça. Et le haut, ben 10 sur 10, j'adore. Ouais, bah oui, vas-y. Alors j'ai oublié de préciser, je ne mets pas de soutien-gorge sous ce genre de t-shirt. Et la meuf elle me tire le t-shirt. Mais ça va pas non, malade. Donc ce haut tu m'as dit 8 sur 10 10. Ah ouais, il est trop beau, non mais moi aussi je kiffe. Par contre ouais le jog je sais pas tu quand mets deux, que je deux le mettrai. Stickers. Mais c'est bon, vrai. Des goûts vraiment. Ça elle peut pas essayer du coup parce que c'est de la lingerie quoi. Ah oui, j'ai aussi commandé ça. Trop beau, genre vraiment la lingerie sur Zafool. Oh, trop beau. Et en fait, je l'avais pris parce que voilà quoi, j'avais peut-être quelqu'un, enfin j'avais quelqu'un, mais du coup au final, ben j'ai plus personne. Donc du coup, je vais pas l'essayer évidemment, hein, on est tous d'accord. J'ai trouvé cet ensemble là, donc c'est un string rose, voilà, avec des petits anneaux là. Genre j'aime trop le détail, genre vraiment déjà la dentelle est hyper bien, je suis grave choquée en vrai. Et le soutif, mais genre vraiment c'est ce qui m'a fait le plus craquer je crois, genre vraiment la forme et tout, genre j'aime trop. Il s'attache dans le dos et il est comme ça, hop. Donc je sais pas si vous allez pouvoir vous faire une idée du machin. Genre... On dirait des bols qui est un petit l'autre. Bon du coup c'est comme ça, c'est rose rose fluo, genre vraiment je sais pas si vous allez bien voir mais bon bref. Il y a des bandes qui font tout le tour du truc et tout, bon bref je kiffe, genre vraiment je trouve ça trop beau. Et la qualité est incroyable. Moi j'aime bien, donc moi je mets 8 sur 10, mais juste parce qu'on dirait des bols. Ah moi je mets 10 sur 10, genre vraiment je mets 10 sur 10. Bref, passons. Prochain article c'est...
un bas de maillot noir. Donc là je l'ai pas essayé, mais j'ai le même en rose fluo. Genre je sais pas si vous vous souvenez dans ma précédente vidéo, sauf que je l'avais acheté chez Shein. Non, c'est les mêmes. Mais oui, c'est la même chose et tout. 3, 2, 1. Tu peux ouvrir les yeux. C'est un bas de maillot. C'est un bas de maillot noir. Voilà. Oui, genre, il est bien. Non, il est bien. Bon, moi après j'adore quand les bas de maillot sont assez chancrés. Bon, c'est mieux pour le bronzage. Mais oui, déjà c'est mieux pour le bronzage. Et puis je sais pas, genre je me sens plus à l'aise que ouais, les grosses culottes de grand-mère. Grand, vraiment, non, mais non, non, j'aime pas du tout ça. Donc du coup, ouais, je suis hyper contente. J'en aurai un pour l'année prochaine, au moins, genre, ouais, même si j'en avais déjà deux autres. Mais vas-y, vas-y. Bah, encore un de plus pour Elori quand elle oublie son maillot. Mais ça va pas, mais elle aime surtout ses affaires. Hyper, hyper contente de ce bas de maillot. Ok, alors j'ai commandé du coup plusieurs joggings et là j'en ai commandé un. Genre vraiment je pense que tout le monde a vu ce genre de jog un peu Tumblr et tout. Et ben du coup ben, j'en ai commandé un gris. Hyper resserré en haut, du coup je suis trop contente. Et hyper hyper resserré aussi en bas, genre comme ça. Du coup t'as qu'à venir, j'étais là en mode oh, avec des Converse et tout, petit crop top, ça sera trop beau. Je l'ai essayé, je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, du coup je vais le mettre avec celui-ci. Et lui par contre je l'ai déjà mis pour ma rentrée d'hier. Genre il est trop beau, genre je kiffe. C'est un petit haut comme ça, tac. Et avec des petits boutons qu'on peut enlever et tout. Bref, je vais tester les deux ensemble et je reviens. 3, 2, 1. Non mais d'accord, mais ça va, oui, non mais oh. On dirait ma daronne. Le jogging, on dirait que t'as pris... Non mais vraiment le jogging. On peut rentrer toutes les deux dedans. Non mais vraiment le jogging ça me va pas du tout. Et bah en fait ouais, il faut des grosses cuisses pour ça quoi. Mais ça me va pas du tout, genre vraiment le jogging me va absolument pas, genre vraiment c'est chaud. Genre je vais vous montrer comme ça. Oh beurre. Mon bébé. Genre je vais vous montrer comme ça, non j'aime pas du tout. Genre non, par contre le haut j'adore. On dirait il est vraiment trop. Ouais, par contre le jogging, mais 5 sur 10, mais une personne plus avec plus de corpulence. Ouais, quoi. Si, genre quelqu'un serait plus forte, là je... Genre en fait, ça me grossit vachement et genre ça me va pas du tout. Mais du coup, ouais, par contre le crop top, moi je kiffe, genre vraiment, mais moi 10 sur 10. Ouais. Vraiment, j'adore, genre la qualité est incroyable, genre, je kiffe vraiment trop. Par contre le jog, bah du coup je mets 5, parce que de toute façon au pire je le mettrais cet hiver avec un gros pull, c'est sûr, tu vois. Mais je le mettrais pas pour sortir. Ouais, du coup voilà, il est comme ça. Il avait pas coûté très très cher non plus, je crois qu'il avait coûté 20€. Ça va pour un... Ça va pour un job. Bref, dernier article. Encore un petit haut. Lui j'ai vraiment mais craqué sur ce haut, genre vraiment. Mais... Alors c'est un haut, je pense que vous avez déjà vu, c'est un peu la mode en ce moment. Genre c'est les bandeaux comme ça, qui s'attachent derrière. Et il faut faire un nœud, genre comme ça. Et du coup bah, je vais aller l'essayer. Bon mais ça va pas du tout avec ce jog, mais voilà. C'est magnifique. Moi j'aime trop aussi. C'est sur les... En rose ce sera encore plus beau. Mais je crois qu'il y en avait d'autres couleurs. Il y avait plein de couleurs pour ce haut. Bon évidemment faut pas le mettre avec ce jog. Genre vraiment mettez-le avec un short ou un jean genre. Mais il est hyper beau, genre vraiment. Moi j'aime trop, genre vraiment 10 sur 10 aussi. Après je sais pas si j'oserais le porter, genre en mode je sais pas. Genre peut-être pour aller boire un verre ou un truc comme ça. Mais alors le lycée déjà c'est mort. Là 10 sur 10. C'est tout. Et voilà je pense. C'est déjà bien hein. Bref, ok, donc du coup je vous ai montré tout ce que Zafoul m'a envoyé. Il reste encore des choses, mais si vous voulez les voir et revoir Elori, il faut mettre un pouce bleu, commenter et s'abonner à moi, activer la cloche, etc, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a plu aussi de voir Elori en fait, parce que c'est la première invitée sur ma chaîne. Et du coup voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Si vous voulez venir me suivre sur mon Instagram, je vous le mets là. Je mets aussi l'Instagram de Elori ici et comme ça vous pourrez aller la suivre et tout. Et suivre nos petites péripéties en fait. Bref, voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop 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 plaisir de vous la filmer. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.